Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans le club 1906, bienvenue dans le club déconfiné. On est là pour parler football, on est là pour parler Racing Club de Strasbourg. Tout de suite, l'équipe qui va passer ce bon moment à vos côtés avec Momo. Salut Momo. Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Tu vas bien? Très bien. Parfait, on est content de te retrouver. On t'avait hier soir avec Nuno Dacosta, tu es de retour. Je vais partager puis un grand bonheur de retrouver David Itelli qui a fait partie des beaux souvenirs strasbourgeois quand j'étais jeune et quand j'étais adolescent notamment. Donc un grand plaisir de l'avoir. On va y venir dans un instant. Sébastien Jung, salut. Salut Joe, salut tout le monde. En forme? Ouais, ça va, en forme. En forme. Jordan Gasser, joueur des SR Colmar. Enfin, du SR Colmar aujourd'hui, parce que c'est plus les sports réunis de Colmar, c'est Sporting Racing. Non, c'est quoi? Stadium Racing. Comme Stadium Racing, voilà. Ça va, Jordan? Ouais, ça va bien. On est très, très bien. Pour l'instant, tout va bien. Content de te retrouver. Moi aussi. On continue. C'est celle qui vous fera vivre les réseaux sociaux, les questions pour David Zitelli, pour Jackie Duguay-Pérou. C'est Marine Le Marquis. Salut, Marine. Bonsoir à tous. Comment va? Bah, très contente de vous retrouver. Comme chaque soir, très bien. Avec du beau monde. Effectivement. Romain Sengel, voilà, c'est le nom le plus alsacien de l'équipe avec Florian Fischer. Salut. Voilà, c'est ça. Et Sébastien Young. Oui, c'est vrai. Ça va? Ça va, super. Confiné, ouais. Mais ça va. Toi aussi, David Zitelli fait partie de tes idoles, je suppose. C'était mon joueur préféré. Alors, ça ne va pas lui faire plaisir, mais je veux dire quand j'étais adolescent. Mais c'était mon joueur préféré quand j'ai commencé à se rouler. Florian Fischer à la réalisation. Salut Flo. Salut tout le monde, j'ai allumé mon micro, ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ouais. Très bien. Il fait son retour, Jackie Duguay-Pérou, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Jackie? Bonsoir à tout le monde, voilà. Enfin, et très heureux aussi de retrouver le plus célèbre gaucher que j'ai pu coacher. Ouais, le plus célèbre, en effet, il en a fait des siennes du côté du stade de la Méno, notamment ses corners rentrants. Monsieur David Itelli, bonsoir. Bonsoir à tous, heureux de participer à cette émission avec vous et notamment avec Jackie. C'est vraiment gentil hein, nous accorder du temps, David. On sait que c'est une période un petit peu compliquée pour tout le monde. Les supporters du Racing Club de Strasbourg nous seront vraiment reconnaissants. Marine, tu poseras deux, trois questions de supporters tout au long de l'émission. Première chose, il y a un an, David, tu étais à la finale de la Coupe de la Ligue. Tu avais assisté à la troisième victoire. Tu avais déjà gagné les Coupes de la Ligue avec le Racing. C'est juste pour revenir sur cet événement l'année dernière, ça faisait quoi de revoir Strasbourg aussi haut? Bah, déjà un grand merci à toi, parce que c'est surtout grâce à toi que j'ai pu participer à cet événement, sur ton invitation. Un très bon souvenir, une très belle soirée festive, avec le résultat en plus, bien sûr. Hein, on a eu de la chance de voir un match mitigé, c'était pas un grand match, mais effectivement une belle fête, hein, et avec une victoire du Racing qui leur a permis de se qualifier automatiquement pour la Coupe d'Europe. Et c'était un bel événement. Jackie, vous n'étiez pas là non plus hier soir. Juste avant de parler de la finale de la Coupe de la Ligue de l'année dernière, vous savez ce qui s'est passé le 29 mars 2014? 2014? Non, pas du tout. C'est pas si vieux, hein? Ouais, mais bon. Vous dites rien? Non. C'est le jour où vous avez repris le Racing Club de Strasbourg en national. Ouais. Donc, voilà, c'était le petit clin d'œil, c'était important parce qu'on parle de l'anniversaire de la Coupe de la Ligue, mais il y a aussi l'anniversaire de votre reprise de la tête. J'en ai eu tellement des anniversaires et des au revoir que je ne peux pas me rappeler toutes les dates. Jackie, un petit mot juste sur la finale de la Coupe de la Ligue l'année dernière, ça fait un an aujourd'hui, enfin hier. Ouais, bah, j'étais là-bas aussi. Moi, j'étais pas resté le soir, j'étais reparti avec le train qui repartait vers 1h du matin ou 2h du matin. Mais ouais, il y avait une ambiance terrible avec un stade carrément strasbourgeois. Voilà, un match, comme a dit David, je pense qu'il était loin d'être un match au niveau. Mais bon, je me rappelle hein, qu'on l'a gagné nous aussi en 97 contre Bordeaux. Et ce n'était pas non plus un grand match. Et qu'on redira encore une fois qu'en coupe, l'essentiel, c'est à l'arrivée. Hein. Je crois que ça a encore été pire puisqu'on avait tiré 18 pénaltys pour y arriver. Et voilà, donc c'était une soirée magnifique dans une ambiance comme on a rarement vu à ce niveau-là. David, tu veux réagir? Ouais, effectivement, Jackie a bien résumé hein, le match. Hein. Ce n'était pas un grand match, mais effectivement, l'essentiel sur une finale, c'est de la gagner. Et tout ce qui va avec, hein, la fête, les supporters qui étaient heureux, effectivement.
c'était un stade essentiellement bleu ce soir-là. Et effectivement, c'était une superbe ambiance. Franchement, le stade de Lille que je ne connaissais pas, un très beau stade. Et avec tous ces Strasbourgeois réunis, c'était vraiment une très belle soirée. Avant de passer aux questions des internautes, déjà dans l'équipe, Momo, Seb, Romain, vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, levez la main, faites-le savoir après vous. Je vais commencer. Vas-y. Alors David, quel est ton meilleur souvenir au Racing ? Il y en a tellement. J'ai vécu vraiment des moments extraordinaires dans ce club, avec ces gens. Comme disait tout à l'heure, Jackie parlait des personnes que j'ai connues quand je suis arrivé, Maxilde, entre autres. Le président Veller, c'était vraiment un personnage. C'était un club familial avec une ambiance extraordinaire. Des gens sains, humains. Et c'est ce qui a fait beaucoup dans les résultats au début, quand je suis arrivé, en fait. Donc, les souvenirs, j'en ai énormément. Bon, ça peut être la deuxième saison, qui était vraiment une saison presque aboutie, parce qu'on avait fait un très beau parcours en championnat, en Coupe d'Europe. J'ai marqué des buts, et puis il y avait une super ambiance. Bon, c'est vraiment une équipe de potes. On avait trouvé je pense que Jackie avait trouvé un super équilibre au niveau des joueurs et puis de l'ambiance. Je crois que c'était vraiment une très belle saison. Donc, des souvenirs, j'en ai plein, des bons. Le parcours en Coupe d'Europe aussi, mon doublé contre Liverpool. Superbe moment, c'était un moment extraordinaire, tout simplement. Jackie, si vous voulez réagir, n'hésitez pas, hein. Faites comme à la maison. Hein. Ouais, David, parle pas trop de Liverpool parce que Jonathan, c'est un fan, archi fan de Liverpool. Et quand on fait les émissions, il parle presque autant de Liverpool que du Racing. N'insiste pas, parle-lui de la bonne ambiance au match retour, qu'on a beaucoup souffert, qu'ils étaient très forts et qu'ils avaient des grands joueurs, mais ne lui dis pas le résultat final parce qu'il ne va pas dormir cette nuit. C'est sûr. Moi, je pense qu'on les avait éliminés quand même, non ? Comment ? Oui. Il a su qu'on les avait éliminés quand même, je pense. Oui. Mais c'est de façon. Ah, c'était un exploit pour nous, c'était un grand exploit. Ouais, franchement, oui. Mais tout à l'heure, on reparlera de l'équipe qu'on avait. Quand je regarde sur le papier l'équipe qu'on avait, on n'aurait pas dû finir un tout petit peu plus haut que le milieu de tableau en championnat avec cette équipe-là. On aurait dû être dans les trois premiers. Hein. On en parlera. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Mais franchement, quand j'ai regardé les noms, j'ai dit mais c'est pas possible, j'ai dû être assez mauvais pour ne pas pouvoir aller plus haut. Non, je pense qu'on a un manque de confiance en nous et surtout manque d'expérience pour certains joueurs. Bon, pour manque de confiance, 19 buts quand même cette saison-là, David, en championnat uniquement. Manque de confiance pour un attaquant, c'est pas mal quand même, 19 buts. Ouais, mais c'est oui, effectivement, c'est beaucoup, ouais. Mais ça joue à peu de choses, hein, sur une saison. La saison est longue. Il y a des problèmes physiques, des problèmes musculaires, des problèmes psychologiques aussi. C'est compliqué. Encore plus pour un entraîneur à gérer tout ça. Je pense que maintenant, je comprends toutes les difficultés que tu as eues, que tu as pu avoir. Et t'es entraîneur maintenant, hein. Ouais. Entraîneur, tu as vu, hein. C'est un petit niveau. J'ai pas. Mais ça fait rien. C'est pas rien. Le problème, effectivement, c'est compliqué à gérer une équipe, surtout avec les loustiques que tu as pu gérer. Allez-y, Jacques. Vas-y, Moi, j'ai une petite question assez légère, hein, pour commencer. Bon, de toute façon, c'est léger, hein, notre émission, elle est légère. Quand on pense à toi, moi, ado, j'avais de 16 à 18 ans, quoi. Forcément, on assimile à la Coupe d'Europe, parce que c'est vraiment les parcours de Coupe d'Europe. Il y a eu la saison, on finit 9e, effectivement. La meilleure saison depuis maintenant 30 ans, hein. Mais on pense forcément à la Coupe d'Europe, surtout la deuxième année. Et quand tu vois le parcours, donc les Rangers en premier, Liverpool en deuxième et l'Inter de Milan en troisième. Je veux dire, et quand je vois les noms, je me suis un peu replongé. Quand je vois les noms des joueurs qui ont joué dans ces trois équipes-là, que ce soit Paul Gascoigne aux Rangers, que ce soit Ronaldo à l'Inter de Milan, on parlait de McNamara ou Owen qui était tout jeune à Liverpool. Moi, ma question, elle est simple. Est-ce que tu as échangé des maillots avec certains de ces joueurs ? Parce que c'est comme des noms énormes. Oui, il a fait Milan l'année d'avant, quoi. Oui, j'ai quelques maillots. Après, déjà la chance de jouer ces matchs, effectivement, et puis de rencontrer ces joueurs. Comme tu dis, Ronaldo, c'était le meilleur joueur qu'il y avait à ce moment-là. C'était vraiment un phénomène. Et oui, j'ai quelques maillots. Oui.
Parce que ça reste des, pour nous, ça reste des légendes. Il y a le match en soi, mais est-ce que toi, en tant que joueur, jouer contre des noms comme ça, surtout l'AC Milan l'année d'avant, quand je regarde l'équipe, c'est énorme. Quand tu vois qu'il y avait Wea, Marco Simone, De Saï, Maldini, Baresi, Di Canio, Roberto Baggio, c'est hallucinant quoi, de jouer des matchs comme ça. Et toi, en tant que joueur, quoi, en fait, comment tu l'as vécu quoi? Mais en fait, ouais, on était impressionnés parce que jouer à San Siro, c'est une cathédrale, c'est vraiment un stade magnifique. Et puis effectivement, en face, il y avait du lourd, quoi, hein, des grands joueurs. Et une fois qu'on est sur le terrain, je crois que on n'a qu'une envie, c'est de jouer et de gagner. Mais bon, ça a été compliqué. Hein. Franchement, c'était compliqué de jouer contre Maldini et puis Baresi derrière, hein, pour moi, hein, personnellement. Et De Saï. Et De Saï. De Saï, ouais, effectivement. Ouais, franchement, c'était la grande équipe du Milan. Hein, et... On a eu du mal. Franchement, c'était compliqué. Mais bon, ouais, super ce souvenir. C'est un match compliqué à préparer aussi, Jackie, de votre côté. Ouais, c'est des matchs où on avait été supervisés avec Michel Etor et Yvan Pouliquet. On avait été les voir jouer. Et bon, on savait de toute façon que comme David a cité les noms des joueurs, ou Sébastien aussi, je veux dire, quand Strasbourg, même nous, avec nos joueurs quand même de renom, parce qu'on avait aussi des joueurs... De très haut niveau sur le plan français. Alors, on savait que ça serait difficile et je pense que à l'Inter du Milan, on gagne 2-0 au match aller, on tire je crois que c'est Valérien Ismaël qui tire un coup franc sur le poteau et au match retour, on perd 3-0 sur un troisième but à 10 minutes de la fin où je me suis attrapé avec l'arbitre parce que franchement, je pense qu'il y avait à redire sur l'arbitrage à ce niveau-là. Mais voilà, on a appris beaucoup de choses. En tous les cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses en rencontrant ce genre d'équipe. Romain. Ouais. T'as une question? Non. Commentaire? Non, tu t'ennuies? Ah non, pas du tout. Non, non, mais pour revenir au match de Milan, il ne faut pas oublier que Strasbourg a perdu 3-0, mais je crois que Milan a même raté un pénalty. Je crois que Wenzel a raté un pénalty lors de ce match. C'est ça, à l'Inter. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça. David, de ton côté, j'ai une question qui me taraude. Tu inscris un doublé face à Liverpool. Tu es au plus haut de ta forme. Alors derrière, c'est sûr que tu restes encore un peu à Strasbourg et après tu pars en Allemagne. Mais est-ce qu'à ce moment bien précis, il y a des grands clubs européens qui viennent te courtiser et qui te font les yeux doux? Sincèrement, non. J'ai eu quelques contacts, mais il n'y a pas eu de grands clubs. Non, j'avais quelques contacts en Allemagne, en France aussi, mais ce n'était pas des clubs de grands clubs européens. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si vous mettez un doublé face à Liverpool ou face à un grand club, tout de suite, les sirènes de ces clubs européens, elles ouvrent les yeux en grand. Hein, et ça peut faire tourner d'ailleurs la tête à beaucoup de joueurs aujourd'hui dans le football moderne. À l'heure actuelle, c'est compliqué. Enfin, c'est mieux pour les joueurs, mais effectivement, c'est grâce aux réseaux sociaux, aux médias qui communiquent beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Les agents aussi... c'est assez vraiment un monde différent aujourd'hui. Jordan, toi, tu avais une petite question. Ça te parle, David Itelli, je suppose, hein? Oui, bien sûr. Bon, moi, je suis né en 92, donc c'est quand même une période où j'ai connu, quoi. Et puis, moi, j'étais très longtemps, en fait, avec le fils à Valérien Ismaël à l'école. Donc, j'ai suivi un peu la période. Et moi, en fait, j'ai un souvenir, mais je pense qu'il s'en souvient plus, quoi. En fait, mon père était gardien de but. Et toutes les saisons, en fait, il y avait une sélection régionale qui vous avait affronté. Et c'était dans un petit stade, en fait, à côté de chez moi, à Bischwiller. Et mon père m'a toujours raconté cette histoire où il a joué contre vous et c'était un grand moment pour lui, quoi. Et c'était un gardien de niveau régional. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à vous connaître. Et étant gaucher également, c'est comme ça que j'ai suivi un peu la trajectoire avec cette équipe-là, quoi. D'accord. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait régulièrement ce genre de rencontres face à des sélections régionales. Hein. C'est quelque chose qui ne se fait plus tellement aujourd'hui. Jackie, vous aimiez ce genre de confrontation? Pas trop. Oui, ça faisait souvent s'entraîner une fois le matin et puis l'après-midi, c'était un match amical relativement facile, je dirais, qui correspondait plus à l'entraînement et puis pour déjà trouver un petit peu les positionnements, les enchaînements, la complémentarité entre les joueurs. Et c'était des matchs intéressants et puis surtout pour remercier les clubs alsaciens quand même amateurs qui toujours et qui était toujours d'ailleurs derrière le Racing. Je crois que après, bon, les temps, comme David a dit, hein, lui dit il y a 20 ans, moi je dis il y a 20 ans, il y a 40 ans, je veux dire, il y a des années-lumière de ce qui se passait, quoi. Donc
les temps ont bien changé à tout niveau. Mais ça se fait encore. Maintenant, on joue d'autres équipes. Je parle avec le Racing, on jouait d'autres équipes encore récemment, mais aussi dans des clubs amateurs, hein, que ce soit avec Bolsheim, hein, on a été voir Nancy avec Bolsheim, que ce soit dans, je veux dire, on allait à, comment je veux dire, dans des villages aussi, jouer. L'essentiel, c'est que le terrain soit en super bon état, voilà, pour que les joueurs puissent jouer un bon football, mais c'est un peu changé. On ne rencontre plus les équipes amateurs comme ça, mais on va jouer quand même dans les clubs alsaciens, s'ils ont des conditions de jeu intéressantes. Parole aux supporters, Marine, est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'elles sont nombreuses. Hein. Il y a plein de commentaires à l'attention de David. On a Sofiane qui nous dit le kiff de revoir David, quel joueur merveilleux. On a Jérémy qui nous dit les corners rentrants de David, un régal, que des bons souvenirs. On a un autre commentaire de Nicolas qui nous dit « J'avais son maillot floqué quand je jouais au foot dans les années 90-98. » Voilà, il y a beaucoup de commentaires très sympathiques. Et on a une question de la part de Franck qui te demande, David, quel est le meilleur joueur que tu as eu l'occasion de côtoyer, que ce soit à Strasbourg ou dans un autre club, si tu veux bien nous en parler. Au sein du Racing, bon, il y en a eu tellement. Quand je suis arrivé au Racing en 95, il y avait vraiment une équipe extraordinaire. Il y avait mon ami Franck Sauzet, il y avait Franck Leboeuf, Rémi Garde, il y avait Marc Keller, Gérard Baticle, les futurs grandes stars du Racing, Olivier Dacour et Valérien Ismaël, Alex Vincel dans les buts, Philippe Rachke, et j'en oublie. Pascal Nouma qui arrive après. Ouais. Et qui avait marqué 14 buts aussi, David, quand on a marqué 10 buts. Pascal a mis 14. Et il a mis au moins 10 poteaux, je crois. Et on avait une ligne d'attaque que le Racing pourrait plus payer aujourd'hui, qui s'appelait Batik, le Nouma, Zitelli. Ouais, c'est vrai qu'on avait une belle attaque. Hein, ouais. On m'avait même posé quelques fois des problèmes. Là, je n'avais pas le choix de jouer avec deux attaquants ou un attaquant. Il fallait que je mette les trois, hein, parce que lequel sortir. Hein. Ouais, c'est compliqué. Comme entraîneur, c'est un problème, ça. Ouais, c'est sûr. Non, ce n'était pas un problème. C'est que des problèmes de riches, ça. Oui, c'est ça, problèmes de riches. Autrement, en tant que entre autres joueurs d'autres effectifs, en France, il y avait Zidane, bien sûr. Et David Ginola, qui était un superbe technicien. Ronaldo, le plus vieux, hein, je parle, hein, parce que le vrai. Je l'ai pas connu. Voilà. Autrement, Maldini, bien sûr, c'était un des grands joueurs. George Weah, il y en a eu plein. Mostovoy, oui, j'ai oublié Mostovoy. Effectivement, quel technicien extraordinaire. Alex, avec Franck au milieu, Rémi Garde au milieu, c'est un milieu de terrain de niveau international. Bah oui, effectivement. Bien sûr. Moi, j'ai une petite question. Sur ta deuxième saison, donc tu avais mis 19 buts, hein, si mes souvenirs sont bons. Tu avais fini dans les meilleurs buteurs du championnat de France. Quand tu vois les noms qui étaient à côté, donc avec Guy Varche, je crois qu'il y avait les meilleurs buteurs. En tant qu'attaquant, est-ce que au fur et à mesure de la saison, tu te laisses entraîner par ça en essayant de finir meilleur buteur du championnat de France? Est-ce que ça te touche? Oui, effectivement. Au départ, on n'y pense pas. Et quand on arrive à la trêve, je crois qu'à la trêve, j'étais entre 13 ou 14 buts, je crois, à la trêve. Effectivement, oui. Mais ce n'est pas une bonne chose parce qu'on se focalise là-dessus et puis on passe des fois à côté de son match. Je pense que ça m'a bloqué un petit peu sur la fin de saison. On a peur de se blesser aussi. Je crois que ce n'est pas une bonne chose de trop y penser parce que ça évite la bonne performance, je pense. Et effectivement, sur la fin de saison, j'ai eu vraiment du mal à terminer la saison. Et l'équipe aussi, d'ailleurs, on a terminé difficilement cette saison qu'on avait très bien commencé. Un petit peu comme le Racing la saison passée, finalement. Une fois que la Coupe de la Ligue est remportée, d'ailleurs, c'est un petit peu en... Oui, un relâchement, c'est psychologique, c'est normal. Ouais, c'est automatique. Et c'est vrai que derrière, après cette saison-là, et Romain, je te donne la parole après, mais après cette saison-là, il y a la Coupe du Monde. Et c'est Stéphane Guy Varche qui est sélectionné. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es mis à espérer à l'équipe de France et est-ce que c'était une déception de ne pas être convoqué? Oui, c'est effectivement, c'était une déception. Mais effectivement, je crois que Aimé Jacquet a bien fait de prendre Guy Varche parce qu'avec lui, il a été champion du monde, tout simplement. Oui, effectivement, j'étais déçu. On en parlait à un moment. Il y avait des superviseurs qui sont venus me voir à la méno au cours de cette saison.
notamment le sélectionneur qui a succédé à Jacquet. Roger. Voilà, que j'avais eu en tant qu'entraîneur avec l'équipe de France militaire, que je connaissais assez bien. Et non, effectivement, j'ai des regrets, mais bon, c'est du passé maintenant. Effectivement, mon souhait aurait été d'être sélectionné au moins une fois une équipe de France. Très bien. Je prends juste deux secondes à parole. Juste deux secondes. Quand l'équipe, quand vient te superviser pour l'équipe de France, est-ce que ça ne met pas encore une pression supplémentaire en tant que joueur? Bah, non, parce que je l'ai su qu'après le match. Je l'ai rencontré au restaurant après le match. Je ne sais pas, peut-être que Jackie était au courant, mais moi, je ne savais pas. Ouais. Jackie. Ouais, moi, j'étais au courant parce que de toute façon, Aimé Jacquet était venu dans la saison faire le tour des entraîneurs. Donc, il était venu me voir deux fois où les joueurs n'étaient pas au courant. Et on était en rapport. Et moi, je savais que Roger allait venir revoir. Mais effectivement, si le joueur le sait, bah, c'est le meilleur moyen de passer à travers. Et c'est vrai qu'il était question que David soit dans le groupe. Il y avait déjà deux joueurs dans les 30 qui étaient Martin Djetou et Franck le Bœuf. Ouais. Et David était en balance avec je ne sais plus quel joueur qui était dans les 30. Et puis après, c'est eux qui ont fait leur choix. Quoi. Mais il y avait toujours des entretiens plusieurs fois ou par téléphone ou même des rencontres pour faire le point. Je crois que Aimé Jacquet avait préparé ça avec le résultat que l'on sait. Hein, je veux dire. Bien sûr. Un grand professionnalisme. Romain. Non, mais c'était juste pour confirmer ce que David a dit. C'est vrai que quand il a marqué 19 buts en championnat, j'ai revérifié la stat, il en a marqué 14 d'août à décembre. Et après, jusqu'à la fin de saison, à partir de janvier, il en a marqué plus que 5. Donc, c'est vrai que là, il avait raison. Mais hormis son doublé contre Liverpool, moi, il y a deux périodes, je me souviens bien de lui. C'est que j'étais allé voir un match, Strasbourg jouait contre Lille à domicile et Strasbourg gagnait 3-0. Et il avait marqué les 3 buts. Et 15 jours après, Strasbourg a accueilli Marseille. Et Strasbourg s'est imposé 2-1 et il avait de nouveau mis les deux buts. Donc c'est vrai qu'il avait mis tous les buts de l'équipe et c'était assez impressionnant. Et l'autre période, je me souviens, c'est justement, on parlait de la Coupe de la Ligue 97. Il ne faut pas oublier que David, il a mis un triplé contre Laurent Cuiseau. Je crois que c'était en quart de finale. En prolongation. En quart de finale, oui. Et après, en demi-finale, Strasbourg reçoit Monaco, qui est alors leader du championnat. Et Strasbourg s'impose 2-1 et c'est lui qui met de nouveau les deux buts. Ouais, c'est des sacrés souvenirs tout ça aussi, David. Hein. Oui, c'est des bons souvenirs, effectivement. Oui, effectivement. Et sur l'année où j'ai marqué mes 19 buts, j'ai marqué les 14 buts juste avant la trêve, et je crois que c'est Pascal qui avait pris le relais on s'était arrangé pour qu'il fasse la fin de saison. J'étais un peu fatigué. Il avait pris la relève et il avait marqué pas mal de buts. Hein. Tu avais fait aussi, moi j'ai regardé, tu avais fait 5 passes décisives. On avait marqué à peu près une cinquantaine de buts et tu étais engagé sur la moitié des buts. Quoi, je veux dire, hein, c'était quand même important hein, comme présence. Belle... Et... Comment ? Belle saison et bons souvenirs, oui. Ouais, c'est vrai, c'était un régal. David, avant de passer la parole à Momo, peut-être qu'il y a une question. Moi, j'en ai une. Tu réponds pas si tu n'en as pas envie, hein, mais tu es à Strasbourg, tu pars en Allemagne à Karlsruhe. Tu reviens à Strasbourg, est-ce que tu as regretté de revenir en Alsace? J'ai regretté d'être parti. Ouais. Ok, ça, au moins c'est clair. Effectivement, ouais. Ouais, c'était une erreur dans ma carrière. Comme j'en ai fait pas mal, malheureusement, mais c'est qu'après qu'on le sait. Tu étais accompagné à l'époque justement pour ce genre de choix ou tout était fait par toi-même et ta famille? Non, j'étais accompagné, mais mal accompagné, je pense. Ouais. Après, c'est moi qui ai pris la décision finale, mais je regrette. C'est quand même une mélodie qui nous revient très souvent aux oreilles, hein, Jackie. Hein. J'allais dire encore un. Encore un, oui. Oui, effectivement. Mais David, j'ai une anecdote, justement, je vais la sortir maintenant. Tu te rappelles quand on a joué à Glasgow? Bien sûr, je me rappellerai toute ma vie. Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé? Je peux le raconter brièvement? Bien sûr, non. Raconte. On est parti avec un avion privé où il y avait beaucoup de monde avec nous, beaucoup trop au goût de l'entraîneur. Et qui pour que les joueurs puissent rester concentrés. Et avec nous, il y avait une personne qui, d'ailleurs, après, est un peu rentrée quand le Racing allait très mal, a voulu s'incruster là-dedans, il n'est pas resté longtemps, qui était plus ou moins agent, si j'ai bien compris. Et le soir, après le repas, je dis aux joueurs, ils jouent aux cartes et tout, je dis, bon, les gars, 10h30, 11h au plus tard, au lit. Hein, David, c'est ça? C'est ça. Pour le match de demain. Mmh. Et il y a l'intendant qui vient me voir, il me tape dans la chambre, il me dit, écoute, il y a... David, il est en train de discuter avec ce monsieur.
Bien sûr, ceux qui me connaissent un peu, ils savent comment ça. J'étais plus jeune, donc ça allait encore plus vite. Et donc, je suis descendu et j'ai attrapé mon David et je l'ai sanctionné. Il n'a pas été titulaire le lendemain. Je l'ai sorti de l'équipe. J'ai fait jouer Christophe Micheli, je crois. C'est ça. Micheli, hein, un joueur belge. Et Micheli se blesse au bout de 20 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je fais rentrer Zitelli. Et Zitelli, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il marque un but et il fait marquer un but et on gagne 2-1. Tu te rappelles de ça, David? C'est quelque, bon, chose, toute ma vie, ouais. Quelque chose que j'oublierai jamais parce que te virer de l'équipe comme ça, il fallait le faire, mais tu m'as mis trop les boules, quoi, je veux dire. Et c'est peut-être pour ça qu'on a eu après quelques problèmes par moment, mais bon, entre joueur et entraîneur, ça peut pas toujours bien marcher. Hein, quand... Tu m'as répondu de la manière où les joueurs doivent répondre à leur entraîneur quand on les met un peu en difficulté. Voilà, c'est quelque chose de, qui m'a marqué aussi et dont je me souviendrai toujours, la preuve. Tu vois. C'est exact ce que j'ai dit. Hein. C'est comme si je peux revenir sur l'événement, effectivement, tu nous avais bien prévenu qu'il fallait rester dans notre chambre, bien confiné à l'époque, on était déjà confinés. Ouais. Ouais. Je crois que j'étais avec Valérien dans la chambre et puis je sais pas, il était 10h30 et j'ai reçu un appel en fait et on me demande à la réception. Moi j'avais pas prévu de voir d'agent parce que j'avais pas d'agent là-haut et je suis pas en contact avec des clubs anglais ni écossais. Et je descends à la réception et je tombe sur ce fameux agent et qui je discute et il me demande si j'ai des contacts. Déjà, je n'étais pas à l'aise parce que je savais que ça allait savoir. Donc, j'essaie de décourter la discussion en lui disant que je n'ai pas le droit de descendre, je n'ai pas le droit de parler avec lui. Et il voulait savoir si j'avais déjà un agent parce qu'il voulait s'occuper de moi sur la Grande-Bretagne. Et je lui ai dit, écoutez, prenez contact avec moi plus tard, là, je ne peux pas. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est venu à tes oreilles. Le lendemain, je ne sais pas si c'est le lendemain que tu m'as chopé, tu m'as dit, écoute, voilà ce qui s'est passé, je t'avais prévenu, tu seras remplaçant ce soir. Et j'étais vraiment dégoûté parce que c'était un match qui me tenait vraiment à cœur et que match de Coupe d'Europe, aux Rangers en plus, superbe stade, superbe ambiance. J'étais vraiment dégoûté, quoi. Et après, le sort a fait que j'ai eu la chance de pouvoir participer à cette rencontre et puis pouvoir contribuer à la qualification. Ouais, mais effectivement, même après le match, j'étais vraiment très en colère, après toi. Mais je comprends ta décision et tu as fait ton taf. Et c'est voilà, juste du respect. Tu as répondu à la question, David. J'allais te poser la question aujourd'hui à prescription, mais est-ce que sur le coup, c'est à Jackie que tu en voulais ou c'était à toi-même? Est-ce que tu t'es à ce moment-là? Vraiment, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu t'es remis en question sur l'instant T? Tu t'es dit, mince, pas du tout, parce que pour moi, j'avais rien fait en fait. J'étais juste allé à la réception pour voir qui me demandait. Et je suis remonté après dans ma chambre, effectivement. Après, j'en voulais beaucoup à Jackie. J'avais même discuté avec le président, c'était Proisy, je crois, en disant que j'avais envie de partir, j'étais dégoûté et que voilà, c'était pas normal. Et après, on a discuté avec Jackie et puis c'est rentré dans l'ordre. Et puis voilà, c'est des discussions d'hommes et voilà, je comprends tout à fait sa position et il a bien fait. Voilà. Ça se trouve, c'était Jackie qui a fait un coup monté justement pour te piquer, pour que tu sois homme du match. Tu sais, avec Jackie, on sait pas. Je pense que c'est la dernière émission que je fais avec toi. Il a bien fait parce que ça nous a permis de jouer Liverpool et de les éliminer après. Voilà. Attends, juste on passe chez Momo. Juste, ouais. C'est Momo à une question. Ouais, j'en avais une. Alors, il me semble que tu étais champion d'Europe espoir avec l'équipe de France, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, ouais, j'ai eu cette chance de participer à la finale. Ouais, je voulais savoir comment s'était passée ton intégration avec des joueurs comme Cantona, par exemple. Eh ben, c'est grâce à lui que j'ai pu participer à la finale parce que une semaine avant ou deux semaines avant, il avait insulté le sélectionneur Henri Michel. Il a été suspendu et comme j'avais terminé meilleur buteur du tournoi de Toulon avec les espoirs à la génération qui succédait à celle-ci, Marc Bourrier, qui était le sélectionneur des espoirs, m'a convoqué pour la finale pour remplacer Cantona. Et j'ai eu de la chance de participer à la victoire, de jouer une petite demi-heure et participer à cet exploit. Comment était l'ambiance dans le groupe, justement, avec des caractères forts comme celui de Cantona, notamment? Cantona n'était pas là, mais à mon avis, oui, c'était un mec à caractère. Mais il y avait Franck Sauzet, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Et Paille également? Oui, Stéphane Paille, ouais, super joueur. Je le croisais de temps en temps parce que comme j'étais... J'étais formé à Nancy, on jouait souvent contre la réserve pro de Sochaux. Et effectivement, il y avait aussi Fabrice Henry, je crois.
Il y avait quelques Sochaliens. Dans les buts, il y avait Bruno Martini, avec qui j'étais en chambre. Superbe souvenir. Et j'ai eu de la chance de faire le retour, comme on avait un match le week-end à Nancy. J'ai fait la route avec Michel Platini dans sa voiture pour que je puisse rentrer rapidement et pas faire la fête avec les autres pour être en forme pour le samedi. Ouais. Marine, il y a une question de supporter, tu voulais relever. Oui, ben merci beaucoup, Jackie, pour la petite anecdote. Ça fait beaucoup rire les internautes. Et d'ailleurs, David, on a une question. Alors, je n'ai plus le nom de la personne puisque j'ai été déconnectée. Mais quelqu'un aimerait savoir comment tu qualifierais Jackie Dugui-Pivot en tant que coach et en tant que personne. Quel est ton avis sur Jackie? Je peux y aller maintenant, on ne joue pas. Je peux y aller, voilà, c'est moi qui vais te mettre sur la tête. Non, mais tout simplement, voilà, une belle personne. Humainement, il nous a apporté beaucoup. Je crois qu'il a beaucoup apporté au Racing par rapport à son caractère, à sa mentalité de gagneur, parce que c'est un gagneur, Jackie. Et surtout son côté humain, quoi. Je crois que pour moi, c'est la plus importante chez un entraîneur, c'est le côté humain. Après, bon, c'est sûr que les joueurs, ça ne doit pas être ses amis, mais je crois qu'il faut avoir un dialogue, un discours, et je crois que Jackie, là-dessus, était très fort, il y a encore, je suppose, parce que et je crois que quand on manage une équipe professionnelle, je crois que c'est la base. Voilà, côté humain, pour moi, prime. Et Jackie, j'ai beaucoup de respect pour lui. Encore plus maintenant que je suis entraîneur, parce que je sais, comme je disais tout à l'heure, je sais tout le mal qu'il a dû avoir à nous entraîner. Parce que quand on a une équipe, on entraîne une équipe professionnelle, c'est 30 joueurs en moyenne, avec 30 caractères différents. Et il faut faire un amalgame de tout ça pour les mettre sur la feuille de match et pour en tirer les meilleurs résultats possibles. Et je crois que c'est vraiment très, très compliqué. Et Jackie a su le faire pendant des années. Il a reproduit quelques années plus tard avec le Racing. Donc, chapeau à lui, et chapeau à l'entraîneur et chapeau à l'homme. Voilà. Sébastien, tu voulais réagir. Et après, Romain. Ouais, mais en fait, c'était juste une petite question que j'avais à Jackie. Vas-y. Par rapport à l'anecdote. Si mes souvenirs sont bons, vous allez me confirmer. Le match aux Rangers, donc on a avait gagné 2-1 le match aller, ça c'est sûr. Et au moment où le joueur se blesse, je ne saurais plus qui se blesse à la 20e minute, on est mené 1-0. Donc à ce moment-là, on est éliminé de la coupe. La décision aurait été la même, si ce n'était pas le cas, de faire rentrer David Zitelli. Il y a tout ça qui joue, il y a plein de choses qui jouent à ce moment-là. Non, je pense que David, c'était un joueur clé de l'équipe. Et je veux dire, à ce moment-là, j'ai même pas pensé de dire, on est mené 1-0, faut que je fasse rentrer David. Si on avait mené 1-0, je pense que dans Micheli, c'était aussi un joueur gaucher qui jouait pas vraiment à sa place, puisqu'il jouait à la place de David. C'était plutôt un joueur plus milieu de terrain. Et je veux dire, la logique, je me souviens pas, mais aujourd'hui, il me paraissait logique que David rentre. La punition aurait été, beaucoup trop grande et pour lui et pour nous d'ailleurs. Donc je pense qu'il n'y a aucun regret là-dessus, c'était à refaire, je pense que ça serait la même réponse. Encore une petite question par personne dans l'équipe et puis on te laissera tranquille, David. Romain, après toi. Ouais, moi j'avais une question pour David. Au final, quand tu auras ta carrière, tu as un peu répondu avant en disant que ton erreur était de partir de Strasbourg, mais à part ça, ton erreur, qu'est-ce que tu regrettes le plus, c'est d'être parti à Karlsruhe? Est-ce que c'est ta deuxième saison en Écosse qui était moins bonne que la première, ou ton retour justement à Strasbourg où il n'y avait plus Jackie comme entraîneur? Ouais, c'est un peu tout ça. Le choix de partir, effectivement, de partir rapidement en Allemagne. J'aurais dû, enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, Jackie, mais l'année d'avant, j'étais en contact avec un club allemand aussi. Ça a failli se faire, ça ne s'est pas fait au dernier moment pour quelques détails. C'était Schalke 04 qui venait de gagner la Coupe d'Europe. C'était un bon challenge pour moi. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Après, je souhaitais jouer en Allemagne parce que je trouvais que c'était un championnat extraordinaire. Voilà, c'est un championnat qui est assez offensif. Et j'aimais l'ambiance, j'aimais la passion qui est autour du football allemand.
Et en fait, ça s'est passé assez rapidement. En fait, le choix de Karlsruhe s'est fait rapidement, trop rapidement, je pense. Et effectivement, si j'avais pris un peu plus de temps, un peu plus de recul, je n'y serais pas allé, en fait. C'est un club qui était en difficulté. C'était vraiment une année très, très difficile, très compliquée pour moi là-haut. Après, ma saison à Édimbourg, effectivement, j'étais en fin de carrière, donc j'ai gros problème de genoux. Difficile pour moi de continuer et puis d'aligner les bonnes performances. Et pour la troisième question… Quand tu es revenu à Strasbourg… En fait, c'était, pour moi, le choix était simple. J'avais vraiment envie de partir de ce club. J'ai connu vraiment une année vraiment très compliquée. Je m'étais blessé au bout d'une semaine ou deux en stage en Espagne, avec Karlsruhe, bien sûr. Au bout de deux mois, l'entraîneur qui était Winnie Schaefer, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais allé aussi, d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, se fait virer. Le club descend au bout de la saison en deuxième division. Je pensais avoir une clause libératoire dans mon contrat dont mon agent m'en avait parlé. Effectivement, j'avais pas de clause libératoire, donc j'étais coincé. Le club ne voulait pas me lâcher. Donc, j'ai dû rester 6 mois de plus dans ce club. Je me suis entraîné pendant 3 mois tout seul. Donc, j'habitais à Strasbourg à l'époque. Donc, je faisais Strasbourg-Karlsruhe tous les jours pour aller m'entraîner et courir tout seul dans les bois. J'ai fait ça pendant 3 mois. Après, un changement d'entraîneur, l'entraîneur qui est arrivé m'a convaincu de participer au match. Donc, j'ai joué 5 derniers matchs avant la trêve. Et après j'ai décidé de partir parce que ça devenait très 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 compliqué. Et voilà, j'ai eu des contacts en France. J'avais 4 clubs, je crois. Il y avait Sochaux, Metz, Strasbourg, Nancy. Et j'ai choisi Strasbourg parce que c'est un club que je connaissais très bien. J'habitais toujours Strasbourg. C'était surtout un choix aussi familial, d'éviter de déménager. Donc c'était pour moi le choix le plus facile et le plus souhaitable. Et ça s'est décidé aussi très rapidement. Donc, j'ai vécu tout ça pendant une période d'un an. Donc, c'était très, très difficile. Et pour moi, c'était un bonheur de revenir sur Strasbourg, même si ce n'était plus les mêmes dirigeants et surtout le même entraîneur. Jordan, je ne sais pas si c'était une question de ton côté. Si, justement, vu qu'il a. J'ai une petite question, voilà, en tant que supporter, vu qu'il a joué à Strasbourg et qu'il a joué dans des clubs allemands, quel a été le stade qu'il a le plus marqué en termes d'ambiance? Je dirais Liverpool. Même si en Allemagne, il y a des grands stades, mais Liverpool, c'est surtout l'atmosphère qui règne. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jackie, mais quand on était à 2 mètres l'un de l'autre, on ne s'entendait pas parler tellement il y avait de bruit et de chant. Et c'était vraiment impressionnant. Je ne sais pas comment on a fait pour jouer, parce que moi, j'étais vraiment impressionné. Quoi. Et heureusement, on avait notre ange gardien dans les buts. Avec et comment on a fait pour ne pas prendre un troisième, surtout. Mais je ne sais pas, de la chance et surtout Alex Hansen. Alex, ça fait un match où je pense que j'ai rarement vu un gardien faire un match comme ça. Ah ouais, franchement, ouais. Grande classe. Ouais. Sébastien Jung. Ouais, moi, en fait, j'ai plus vraiment de questions. J'ai juste envie de lui dire merci parce que ça reste, même si la dernière année, c'était un peu moins une année d'or, comme disait Jackie avant, mais ça reste des souvenirs incroyables. La Coupe d'Europe, le bon parcours en championnat. Vous finissez 9e et vous n'êtes pas loin de finir 4e. Vous êtes à 2 points, je crois, de la 4e place. Enfin, ça se joue à rien, quoi, en fin de compte. Mais pour moi, ça reste des souvenirs incroyables, notamment toi, David, avec tes buts, avec tout ce qui va avec. Donc, c'est même pas trop une question, c'est tout simplement merci de nous avoir fait vivre ça et en espérant qu'on va le revivre parce qu'on ne l'a jamais revécu depuis votre école à l'époque. Je peux juste dire qu'on a joué Liverpool, vous êtes bien assis devant 18 000 spectateurs à la Méno, hein, quand on voit comment ça se passe. Devant les Rangers, on a joué devant 12 500 spectateurs. Ouais. Donc, comme quoi les temps ont... C'est juste une petite parenthèse. Comme quoi les temps ont bien changé. Alors que je vous rappelle que l'équipe, à l'époque, c'était Wenzel, Rajke, Régis, Leboeuf, Kouliken, Jetou, Sauzé, Mostovoy, Keller, Batic, Zitelli et Nouma qui était sur le banc pour certains matchs, je veux dire. Donc, juste pour dire.
Et aujourd'hui, où on a joué chez Tigheim en CFA ou CFA2, je ne sais plus. Oui, 15 000, 20 000. Nous, quand on a joué Colmar en national, c'était 25 000 personnes. Quoi, je veux ordinaire. Dire. On voit un petit peu, comme tu as dit, il y a 20 ans, comment c'était et comment le football est aujourd'hui. Quoi, je sais pas. Il faudrait refaire les matchs avec la même ferveur qu'il y a actuellement. Ouais, je ne suis pas sûr que ça sera grave à vous voir jouer maintenant. Oh, ça, c'était un tacle par derrière, ça. Moi, j'ai vu quel âge a David maintenant. C'est pas possible qu'il ait cet âge-là. Mais si, moi, j'ai celui-là aussi maintenant. Eh oui, malheureusement. Le temps s'arrête pas. Je sais pas si vous vous souvenez, en tant que supporter, alors les joueurs, je sais pas si vous étiez au courant. Moi, je me souviens du match retour à l'Inter du Milan. Malheureusement, on perd 3-0. Qui était passé sur Canal Plus avec le petit filet sur la caméra. Je ne sais pas si ça vous parle en tant que supporter à la télé. J'ai ce souvenir, en fait, quand ils avaient filmé, on voyait un câble sur la caméra. Et à l'époque, il y avait un dictateur, il n'arrêtait pas de faire des dessins. Ronaldo est en train de s'accrocher dessus. Enfin, il n'arrêtait pas de se moquer de ce câble. Heureusement, on le perd 3-0, mais bon, c'est un petit souvenir. Quoi. Ça ne me dit rien du tout. Momo, de ton côté. Allez, une petite dernière. On a beaucoup évoqué les bons souvenirs. Quel était le pire de tes souvenirs à Strasbourg ? Casser l'ambiance, c'est sympa, Momo. Voilà, c'est le plus mauvais souvenir ou un élément voilà, qui t'a un peu marqué ou, Mais en fait, quand je suis parti, j'ai résilié mon contrat dans le bureau de Claude Leroy, en fait, quand je suis parti à Hibernian. Grosse déception. C'est une volonté de ta part de partir c'est le club qui t'avait un peu. Pardon ? C'est une volonté de ta part de vouloir partir ou c'était le club qui t'avait. Non, bah en fait, c'était. Je pense que c'était le club qui voulait plus que je reste, surtout Claude Leroy, je pense, qui ça passait pas du tout. Pourtant, c'était lui qui était venu me rechercher en 15 jours. Hein. Et non, en fait, quand j'ai résilié mon contrat, il me restait un an. En fait, j'ai résilié mon contrat et je suis parti. Voilà. Et c'est un des plus mauvais souvenirs. Marine, question d'un supporter, et après on clôturera là-dessus. Enfin, avec David, en tout cas. On a une dernière question de Gaëlle, justement, qui fait un peu écho à la question de Momo. Quel est justement ton plus grand et meilleur souvenir avec le Racing ? Ouais, on a déjà évoqué les meilleurs souvenirs avec le Racing. Si tu as envie de remettre un petit coup, tu peux, hein, David. Hein. Oui, juste aussi, si c'est à refaire, je ferai différemment. C'est justement du match dont tu parlais, Jackie, tout à l'heure, hein, le match retour à l'Inter contre en Coupe d'Europe. Hein. Ouais. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, je n'avais pas joué le match retour parce que j'avais un gros problème de genou. J'avais un genou qui était gonflé. Ouais. Et on avait discuté longuement dans ce match pour savoir si je devais me faire ponctionner le genou, voilà, infiltré. Ouais. Et ouais. Malheureusement, j'avais décidé de préserver mon genou et de ne pas jouer. Et si c'est à refaire, même si. Tu te serais piqué. Je le ferais même sur un genou, je jouerais ce match. Voilà. Tu te rappelles de la finale 97, hein, Alex Wenzel, 20 minutes avant le match, on ne savait pas encore s'il allait jouer. Et il s'est fait infiltrer, un quart d'heure avant de rentrer sur le terrain. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Hein. Si, et après, il a pu jouer. C'est Thierry Debes qui a joué pendant 5-6 matchs après. Voilà, mais bon, les joueurs, c'est le médical et le joueur qui décide. Hein. Et aujourd'hui, tu ne jouerais pas, parce que crois-moi, les joueurs, ils ne pensent pas du tout comme ça. D'abord, la santé, et puis après, on verra comment ça se passe. C'était surtout que, Jackie, la santé, oui, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, un footballeur, c'est une économie à lui tout seul, c'est un écosystème financier. Donc, les risques sont minimisés au maximum. C'est oui, mais dis-moi, il y a le club, il y a aussi des engagements financiers qui sont encore autrement de ceux de l'époque de David. Non, mais voilà, oui, c'est ça. Je veux dire, moi, je connais, et j'ai connu, et encore en national, il n'y a pas longtemps, des joueurs qui n'ont pas voulu jouer parce que pas de risque. Non, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Alors que franchement, il y a certaines blessures, ok, je suis d'accord, on ne prend pas de risque. Mais il y a d'autres choses qui font que si c'est une finale de coupe, le mec, il aurait joué, quoi, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, après, bon, c'est comme ça, de toute façon, vieillissant, David, hein, quels que soient les risques ou pas les risques, hein, on a mal partout, hein, tu verras. C'est clair. Bon courage. Je confirme. Jackie, vous avez une question pour David, Jackie, pour finir ? Non, je suis très, très heureux. On a déjà eu des petits problèmes. Hein. Ce n'était pas toujours rose avec nous parce qu'il avait du caractère. À chaque entraînement, à l'époque, je ne sais pas, il y a Jordan qui… Maintenant, ça ne se passe plus comme ça, mais après chaque entraînement, on se réunissait, on faisait des étirements. Je ne sais pas,
Moi, j'avais un préparateur athlétique à l'époque, je n'avais pas de préparateur athlétique, donc on faisait pratiquement tout tout seul comme entraîneur. Et Zitelli, je m'engueulais avec lui tous les jours. Parce que tant que nous, on s'étirait, je faisais des tirements, je devinais ce qu'il faisait, Zitelli. Et il tirait des coups francs et des corners. Ah, oui. Et tous les jours. Alors, maintenant, dis-moi, ma dernière question pour toi. Tu es entraîneur maintenant, comment tu fais? Eh bien, je fais comme toi. Et voilà, c'est grâce à toi, j'ai tout appris. Donc voilà, je sanctionne. Tu te souviens de sanctionner, hein? J'avais les boules parce qu'il n'y en a qu'un qui ne venait pas, il restait avec le gardien et il s'amusait. Là. Et bon, 18. Moi, ça me permettait de tirer des bons coups francs et des bons corners. Enfin, pas toujours, mais j'essaie de m'appliquer. En tous les cas, je garde que des bons souvenirs de toi. Également. Voilà. Très très bon souvenir. Un plaisir d'avoir deux légendes sur le plateau. Bah oui, c'est les légendes du club, très clairement. Très clairement. Et j'ai reçu un petit SMS d'Anthony Gonsalves, c'était avant-hier, qui s'excusait de ne pas pouvoir être dans l'émission et qui a clairement cité également Jacqueline Guipero, qu'il était déçu de ne pas pouvoir participer à l'émission parce que le club de Caen ne l'autorisait pas et qu'il avait clairement dit que Jacqueline faisait partie de ces légendes-là. Et je voulais envoyer Jacqueline le petit SMS. Oui, hein, ça... Je te remercie et c'est vrai que je l'ai rencontré une seule fois. Il était sur le parking au centre de formation, j'attendais un de mes fils, et il est venu, moi je ne le connaissais pas, hein. Enfin je ne le connaissais pas, non, je n'ai jamais parlé avec lui. Il est venu me voir, on a discuté un quart d'heure, et d'ailleurs je te l'avais dit, et franchement, il m'avait fait une très bonne impression, même si en tant que joueur, je n'aurais pas aimé jouer contre un joueur comme lui, parce que je pense qu'on se serait frité, voilà, je ne suis pas surpris de ce que tu m'as envoyé. Je me rappelle de toi en tant que joueur, hein, tu sais. Ah ouais? Parce que j'ai joué contre toi. Hein. Balance un peu, David. Ah ouais, j'avais 40 ans. J'avais 40 ans avec Vauban. Et je jouais contre toi, contre Paris, contre Franck Fouzé, contre toutes les... Respect, parce que... À Sochaux, contre Nancy, je... C'est pas les malins. Voilà, c'est pas moi, parce que voilà, j'ai pas envie de me faire casser une jambe. Oh, t'esquivais les matchs face à Jacqueline? Il fallait leur apprendre un petit peu. José Cobos, tout ça, tout cela, ils étaient pleins de hargne. 38, 40 ans, hein, c'était difficile. Donc, il fallait jouer un peu autrement. C'est vrai. Merci. À l'expérience. Merci énormément, David. Déjà, je rappelle, l'année dernière, tu es venu donc voir la finale de la Coupe de la Ligue. Et je me rappelle surtout ta gentillesse et ta générosité. Et j'espère que tu as remarqué aussi, et j'en suis certain, que personne ne t'a oublié au sein du club, au sein des supporters surtout, que... Je me rappelle, c'était très particulier comme ambiance. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais l'année dernière, c'était particulier avec de l'électricité dans l'air autour du stade Pierre Mauroy. Oui, effectivement, c'était vraiment une soirée très spéciale. Et je crois que les gens étaient en attente justement d'un grand événement comme ça et surtout d'une grande victoire, hein, qui permettait justement de retrouver la Coupe d'Europe. Et je crois qu'effectivement, c'était une très, très belle soirée. Mais en tout cas, je suis très honoré de pouvoir participer à cette émission et puis de voir tous ces gens qui m'apprécient encore. Donc, pour moi, c'est que du bonheur. Voilà, merci à vous. On peut se permettre une toute dernière question de supporter? Je suis là encore, oui. Marine, rapidement. On t'a coupé le micro, là, Marine. T'as coupé ton micro. Marine, le micro. Je ne sais pas si c'est Flo. Je ne sais pas lire sur les lèvres encore. Bon, c'est chez Marine. Là. Pardon, excusez-moi. C'est bon. C'est une question pour Jackie. Est-ce que David, d'après vous, méritait-il, de devenir joueur international? Ouais, je pense, mais il était aussi à une période où il y avait la concurrence. Il y avait aussi l'organisation de jeu de l'équipe de France où il n'y avait pas trois attaquants qui jouaient, David, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, voilà. Non, c'est ça. Il y avait plein de jeunes en devenir, comme Thierry Henry, Dugarry. Voilà, il y avait des jeunes et puis… Super génération. Voilà, et puis quand tu regardes, il y avait Guivarge, il n'y avait pas trois attaquants de pointe dans l'équipe des Méjaquais. Oui. Donc, il avait fait d'autres choix, mais je pense que sans que David le prenne, je pense qu'il aurait pu faire une carrière encore nettement, hein, David, nettement supérieure, ouais, sur le plan national ou même au niveau des clubs. Je pense que David aurait mérité d'aller dans… Enfin, en tous les cas, il avait le talent, il avait… peut-être encore un peu plus de caractère dans les moments un peu difficiles, parce que c'est pas toujours facile d'être joueur de haut niveau. Mais je pense qu'il a une belle carrière, hein. Il n'y a qu'à regarder. Et je pense qu'il avait le talent pour jouer encore au niveau au-dessus, à mon avis. Mais aujourd'hui, ça serait certainement le cas. Hein, comme tu as parlé de réseaux sociaux, d'agents, à l'époque, c'était aussi un petit peu plus difficile, peut-être. Effectivement.
Je confirme. On a énormément de commentaires, hein, Amico, David. Si on est sorti d'ici la fin de l'année, on viendra, je pense, toute l'équipe Alsace Sport venir faire la petite fête de fin d'année chez toi. Parce qu'on rappelle que tu as un restaurant aujourd'hui du côté de Nancy. Hein. Oui, effectivement, vous êtes les bienvenus. Voilà. Toujours bien accueillis à Nancy. Ouais, on le sait. D'ailleurs, David, je prends juste l'info, tu pourras me donner la. Oui, avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Donc, je viendrai. Merci énormément, David. On te remercie du fond du cœur. Merci. Et puis, à très bientôt. Avec grand plaisir. Salut, David. Bonsoir à tous. Salut, Jackie. À bientôt. Salut, David. Bonne continuation à toi. À bientôt. Allez, on est dans le club 1906, on fait un petit tour d'équipe, notamment Jordan, je reste juste chez toi quelques instants, on y reviendra dans quelques minutes, mais tu nous as préparé un petit programme pour garder la forme durant cette période de confinement. Hein. Oui, après un petit programme, c'est un bien grand mot, mais après des programmes, on en voit énormément en ce moment sur le net. Donc y en a... Oui, mais on te fait confiance, je te fais confiance, donc grâce à toi, je vais perdre du poids et je vais m'affûter. Ouais, tu vas t'affûter, mais léger, et tu verras, c'est tout en profondeur, tranquille. Ouais, tranquille. Allez, petit tour d'équipe. Momo, David Itelli, maintenant, il n'est plus là. Comme on a fait hier soir avec Nuno, on peut parler différemment, mais David, ça reste un monument, tout comme Jackie Luguet-Pérou l'est encore aujourd'hui, de ce Racing Club de Strasbourg. C'est des mecs qui nous ont fait vibrer. Bah, qu'on le veuille ou non, clairement, le nom de Itelli, il restera gravé. Hein. Voilà, quand tu demandes à un supporter quels sont les 5 joueurs qui t'ont plus marqué dans l'histoire du Racing, le nom d'Itelli sortira forcément. Donc ça reste une grande pointure, un mec super que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai appris à connaître aujourd'hui. Donc voilà, ça confirme ce que Jackie nous disait. Un mec humble, un mec posé, qui a la tête sur les épaules et qui est très sympa. Donc, ravi de l'avoir rencontré ce soir. Et puis je pense que quoi qu'il se passe, il restera gravé dans l'histoire du Racing. Sébastien Young. Bah, moi, c'est quand on avait Anthony Siki, je l'avais dit, c'est aussi générationnel en fin de compte, tu vois. Nous, on a cette chance, notre génération, la tienne, Joe, ou un peu plus jeune que nous, on va dire ceux qui ont la trentaine, bah, on a vécu les grands moments, on a vécu les Coupes d'Europe, on a vécu ces fameux matchs, l'AC Milan. Pour moi, à l'époque, quand j'étais ado et que je voyais Jackie et toute cette équipe, quand on regarde les noms de cette équipe, comme vous l'avez cité, Jackie, un Djetou, un Leboeuf, enfin, tous ces joueurs, pour nous, c'était des étoiles, quoi, hein, c'est pour nous... Donc ça reste, Zitelli en fait partie, quoi, fait partie de cette caste de grands joueurs qu'on a eu au Racing. On a vécu les pires moments aussi, mais ça va rester gravé pour notre génération en tout cas, quoi. Ça c'est sûr, Zitelli bien sûr. Quand tu penses corner rentrant, ben, tu penses Zitelli, hein. Et parce que ça se voit plus non plus. C'est vrai, non. Il y a encore Dimitri, hein. Dans Dimitri, on retrouve Liénard, on retrouve la patte gauche qu'avait David. Je pense David encore au-dessus. Mais Dimitri a du Zitelli dans son pied gauche. Ouais, pas faux, c'est vrai. Et puis David, quand vous l'appelez, c'est tout de suite un grand oui. Hein. Il n'y a pas de peut-être, je viens peut-être, c'est oui ou c'est non. Et ça fait partie justement, comme on le dit, on le répète tous les jours, et j'arrêterai jamais de le dire, que c'est les mecs qui se rendent disponibles, qui sont là avec grand plaisir. Jordan, c'est vrai, même toi finalement, j'ai vu que c'était un peu... voilà, tu as des souvenirs avec David et ton papa aussi, quoi. Ouais, et puis moi j'ai des anecdotes parce que moi j'étais encore tout jeune, j'étais 92, donc j'étais encore tout jeune, je commençais le foot. Et c'est vrai que David m'a toujours marqué parce que moi qui étais gaucher, il me jouait milieu gauche, donc il me faisait toujours la référence là-dessus. Ben, voilà, c'était ses références d'époque, donc moi sur le coup je comprenais pas. Mais c'est vrai que Zitelli m'est toujours resté, comme Valérien Ismaël, comme Ben Sell, ces trois noms qui me sont toujours restés en tête et qui marquent forcément l'histoire du Racing. Marine, est-ce qu'il y a des commentaires ? Il y a un commentaire pour toi de Francis qui dit « On devrait élire l'équipe type du Racing de tous les temps ». Oui, alors c'est quelque chose qu'on fait quand même assez régulièrement. Hein. Chaque année, on le fait, on prend les 10 dernières années, les 20 dernières années, et ça, c'est toujours un petit peu compliqué parce que c'est générationnel, comme le disait Sébastien Young. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans,
un Pascal Nouma, un Mostovoy, un Stéphane Collet, un même Arthur Boca qui était extraordinaire, ben beaucoup oublient les Karim Magui et compagnie. Et encore des générations avant, des Yvon Pouliquen, des Jackie Duguay-Perrault, et j'en passe, hein, des Jackie Novi, des Joël Tanterre. Donc c'est très compliqué de faire un 11 de tous les temps parce que on n'est jamais dans l'air du temps finalement. Donc après, c'est que mon avis, hein, Jackie. Mais c'est même ce que Jackie disait avant par rapport à l'affluence dans les stades autrefois et maintenant, c'est plus la même chose. Et c'est là où on peut rejoindre Jonathan sur ton commentaire. Ce qu'on peut dire, c'est que tu ne peux pas comparer, je veux dire, René Hoss qui a joué pendant 20 ans à Strasbourg, qui a fait 700 matchs, ou je veux dire, arrière-droit, si tu le connais, ou moi j'ai joué une fois ou deux contre lui quand lui il avait 40 ans et moi j'en avais 18. Je veux dire, mais vous direz Raymond Calbel, des mecs comme ça, c'est difficile de faire une équipe de tous les temps. Je pense qu'il y a des générations. Et le football, il y a 50, 20, 30, 10, ou il y a 10 ans, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Donc, mais ceux qui étaient bons il y a 40 ans ou 50 ans, ils seraient bons aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui, ils auraient été bons. Tu vois, moi, je suis pas trop pour ça, même s'il y a des noms qui ont vraiment marqué. Mais je veux dire. C'est pour se faire plaisir, mais je ne sais pas si c'est tellement important de faire une équipe type de tous les temps, parce que ce n'est pas le même football. Il y a des images, hein, quand tu vois jouer Ajax Amsterdam 71, 72, 73, qui était la révolution du football, tu as l'impression qu'ils n'avancent pas quand tu les vois jouer aujourd'hui, quoi, je veux dire. Et pourtant, c'était le plus haut niveau de l'époque. Donc, je crois qu'il faut, dans chaque période, garder ce qui était très, très fort, très, très bon. Et puis voilà. Moi, je pense qu'il y a tellement de joueurs qui ont marqué le Racing dans l'histoire qu'on ne pourrait pas faire un 11 type. Il y a tellement de joueurs que 11 ne suffirait pas, tout simplement. Je veux dire, voilà, il y a. Bah oui. Pardon, la palette, elle est tellement large que 11 joueurs, ouais, c'est. Voilà, ce serait pas juste pour certains, je pense, de faire cette liste-là. C'est ça, d'être un club historique. Marine, tu avais vu une question intéressante à... Il y avait un commentaire de Claude qui dit les plus belles années se font avec un grand président. Merci, monsieur Veller, et maintenant, monsieur Keller. Et on avait une question donc, de Philippe, qui aimerait votre avis. Il nous demande, j'aurais bien vu une belle complémentarité avec notre attaquant actuel, Ludovic Ajorc. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas trop ce genre d'association, en tout cas dans des clubs comme le nôtre. Hein, mais je veux dire, c'est vrai qu'un mec de la qualité technique et le pied gauche de David Zitelli associé à un pied droit de Ludovic Ajorc et la tête, le jeu de tête, ça pourrait faire des ravages quand même. John, hein. Pardon ? Ludo Ajorc, il est gaucher. Le gaucher, pardon. Oui, enfin, oui, t'as deux gauchers, ouais, finalement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais le jeu de tête, en tout cas, le jeu de position de Ludovic Ajorc, associé vraiment à ce joueur de gabarit-là, hein, je veux dire, qui mise sur la vitesse et la qualité technique. Il y a des duos, il y en avait. Hein. Après, il y a eu Niang et Pagis, je veux dire. Et eux, tu leur as pas appris à jouer ensemble. Hein. Les mecs, ils étaient complémentaires. À eux deux, il n'y avait rien à dire, quoi, je veux dire. Tu comprends. Après quand il y avait David, il y avait Nouma, il y avait Baticle, il y avait Keller aussi. Bon, Keller est parti après. Il y en a un qui jouait Baticle et Nouma permutaient les trois, je veux dire. Tu vois, parce que il y avait pas de duo. C'était vraiment les trois attaquants. Si tu regardes les compos d'équipe, les trois jouaient. Donc c'était moins plus offensif que ça ne l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas de duo comme on fait à Ajorc avec un tel. Ça se faisait beaucoup moins à l'époque. Je voulais juste dire une chose. Avec les départs de David et ce qu'il a dit, ça a marqué les débuts des grands déboires du Racing Club de Strasbourg et l'arrivée des Américains avec Croisi. Parce que je suis persuadé que si la mairie avait choisi de rester avec Roland Veller, tous ces joueurs de renom, là, parce que vous regardez une saison ou deux après, il y en a pratiquement plus un qui est dans l'effectif. Alors qu'on était certainement, après l'équipe qui a été championne de France, je veux dire, la plus grande équipe et la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs qui est au Racing depuis très longtemps. C'est vrai. Je vais juste faire cette parenthèse. Voilà, c'est ce qui a commencé à petit feu à tuer le Racing avec ce qui est arrivé. Donc maintenant, on est reparti sur un très bon cycle. Et comme quoi, ça peut basculer vite. Hein, parce que faire venir tous ces joueurs internationaux, parce que là, il y avait un paquet d'internationaux quand même, hein, dans cette équipe. Et de voir qu'en une saison, puisque moi, j'étais viré en janvier 98, hein, alors que l'année d'avant, on a parlé de Liverpool, on a parlé des Rangers.
6 mois après, tu n'es plus bon à rien parce qu'on veut, on veut prendre De Sailly, on veut prendre Boban, on veut prendre Savicevic, pour ceux qui connaissaient à l'époque les, oui, les compos d'équipe. Quand on a joué Inter Milan, Proisi a déclaré qu'il allait acheter un tel, quoi, je veux dire. Donc, on s'est fait bien enrhumer et le club a commencé à souffrir de tout ça. Mais bon, c'est juste pour dire que des joueurs comme Zitelli, des joueurs comme Rémi Garde, moi, je voulais garder. Tu dirais, il est parti à Arsenal après, hein, il n'était pas fini. On m'a dit, il est toujours blessé, il ne peut plus jouer. Ah oui, il a joué 3 ans à Arsenal encore après. Ouais. Voilà. Donc, il y a eu des tas de choses qui ont fait qu'on n'a pas su conserver. C'est comme on dit maintenant, des pépites. C'était des pépites avec de l'expérience. On n'a pas su les conserver pour bonifier le club parce que le club était bâti sur du sable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui quand même. C'est vrai. Jordan, avant de passer à la suite et de nous présenter un petit peu ce qu'on doit faire pour se maintenir durant ce confinement, on vous rappelle que demain soir, ça sera Morgan Schneiderlin, notre invité du jour, prise antenne à 18h30, donc restez bien à l'écoute, n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux, en faire de la publicité. Jordan, je te donne un petit peu la parole, là. Dis-nous ce que tu nous as concocté. Alors voilà, donc je vais être très bref. J'ai fait 4 petits exercices. C'est vraiment comme on en a parlé en off, c'est vraiment accessible à tous, à tous les niveaux. Sur mes lives Facebook que je fais tous les jours, j'en parle. Donc, y en a beaucoup qui font du renforcement en période de confinement. Voilà, j'en vois de plus en plus. Moi, je cours tous les jours, j'en vois de plus en plus courir et j'ai été étonné de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se découvraient des âmes de joggeurs et de marathoniens. Mais en fait, on peut faire des choses à la maison et c'est ça qui est intéressant et que j'ai envie de vous montrer, qu'avec de simples choses à la maison, on peut travailler. Donc, au début, on parle et il y en a beaucoup des cardiologues qui ont parlé et qui ont montré que c'était pas dans cette période-là judicieux de faire du sport à outrance et se dépenser à fond. Donc, en fait, moi, je vais juste vous proposer 4 exercices qui vont vous permettre de rester en forme, que vous pouvez faire tous les matins, que vous avez certainement très peu vu ou très rarement vu, et en fait, qui va vous protéger, parce que moi, dans mon approche que je vois du sport et de la préparation physique telle que je le vois, c'est de se protéger des blessures, de la prévention de blessures et tout ça. Donc, beaucoup de gens qui soulèvent de la charge, même des sportifs, non sportifs, hein, ils se blessent très facilement. Donc, voilà, je vais juste poser. Donc, je me suis mis dans ma petite salle en bas, je vais poser l'ordinateur, je vais vous montrer. Et en préambule, je vais parler d'une chose super importante pour moi et qu'on n'utilise pas assez, c'est la respiration. Et donc, je vais juste vous montrer un exercice que vous pouvez faire, ces 4 exercices-là tous les matins. Et la respiration, vous pouvez le faire aussi tous les matins. Et vous allez voir que dans cette respiration-là, en fait, on va travailler le bidon, quoi, ce que les gens ont, la bouée un peu. Voilà. Donc, pas les abdos, je ne parle pas des tablettes de chocolat, mais le fait d'être gainé et d'avoir un ventre plat. Donc, je vais juste vous montrer. J'ai un tapis derrière, donc comme ça, vous pouvez voir. J'ai mis un t-shirt en dessous, comme ça, vous pouvez voir. Tout va se passer au niveau abdominal. Donc, je vais me coucher au sol et je vous expliquerai en même temps. Ouais, parce que la bouée de sauvetage, je pense qu'on l'a un petit peu tous dans l'équipe là. Voilà, donc vous pouvez voir que voilà, normalement vous me voyez, je vais juste enlever mon haut. Donc en fait, sur le premier exercice de la respiration, quand vous prenez un tapis, vous vous couchez juste au sol. Donc ça, vous pouvez faire le matin au réveil, l'après-midi quand vous réveillez de la sieste, vraiment, vraiment ce que vous voulez. Et en fait, vous allez juste vous concentrer. Donc j'ai mis un petit tech fit. Là, tout ce qui se passe au niveau abdominal, au niveau de la respiration, où en fait, on va inspirer en gonflant le ventre et on va expirer en soufflant au niveau de la bouche et en fait, en rentrant au maximum le nombril dans le sol jusqu'à ce que les lombaires touchent le sol. Et en fait, quand on le fait très bien sur une respiration complète, vous allez sentir qu'en fait, on va travailler les abdos et vraiment les abdos profonds, quoi. Donc, on va le faire juste une fois. Je vais vous montrer juste en fait au niveau du ventre. Regardez bien dans cette partie-là où… Et là, à la fin de la respiration, vraiment, j'essaie d'aller avec le nombril le plus loin possible. Donc, on peut aller vraiment très, très loin. Si j'enlève ça, vous voyez qu'on est vraiment très, très loin. Et on essaie de plaquer les lombaires au sol. Et donc là, vous partez sur 10 respirations complètes comme ça. L'avantage de ces respirations-là, c'est qu'en plus, le matin, ça vous oxygène, ça vous réveille. Vous travaillez tout de suite les muscles profonds. Et vous allez sentir vraiment une vraie différence au fur et à mesure que les exercices vont arriver et ils seront plus difficiles. Donc là, on va partir sur les 4 petits exercices que je vous ai concoctés.
Donc, j'ai pris une petite fiche. Donc, en fait, dans la même position de base, donc il y en a beaucoup que je vois pour avoir des abdos, voilà, tout, pour être vraiment tracé dans ce qu'on voit dans le devant du miroir. En fait, ils font des crunchs, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, des crunchs, des abdos comme ça. Sauf qu'il y a beaucoup qui ont des problèmes après lombaires, en bas, au niveau du dos. Donc là, je vais vous proposer un exercice d'abdos, mais un peu différent. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de se mettre dans cette position-là, les jambes à 90, et les mains, en fait, qui vont venir à la verticale. Et à chaque fois, en fait, ce qui va se passer pour bien protéger mon dos, c'est qu'en fait, avec mes mains, je vais pousser avec mes genoux, d'accord ? Je vais pousser sur mes genoux, et avec mes genoux, je vais pousser vers mes mains. Donc, en fait, là, je vais protéger tout mon dos, je vais protéger mes cervicales, et je vais travailler tout ce qui travaille au niveau abdominal. Donc, je viens et je fais des poussées de 5 secondes. Donc, si je montre l'exemple, c'est là, je pousse fort, 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 je relâche. Je pousse fort, 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 et je relâche. Et ça, pareil, on part sur 10 fois, et vous allez bien le sentir, on travaille bien au niveau des psoas, on travaille bien au niveau du ventre, et bien au niveau des abdos, tout en protégeant toujours le dos, les cervicales et ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier exercice que vous pouvez faire tout de suite en échauffement. Ensuite, le deuxième exercice qui me tient à cœur, j'utilise énormément pour le football parce que les footballeurs sont connus pour avoir quelques soucis au niveau des ischios jambiers. Et donc, en fait, l'exercice de base que tout le monde peut faire, et il est très simple, c'est de se mettre à genoux. D'accord ? On se met à genoux. Et en fait, au lieu d'être à genoux dans cette position-là, on va se mettre à genoux, mais en levant les pieds et être en équilibre. D'accord ? Donc là, on essaie d'être en équilibre, on peut tenir 30 secondes. Donc, vous voyez, il n'y a pas de partie très réfractaire, tout le monde peut le faire à n'importe quel niveau. Et on se met en position avec les mains toujours le long du corps, parce que si on met les mains en équilibre là, je ne travaille plus l'équilibre des hanches et du bassin, mais je travaille l'équilibre des bras. Et ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est vraiment travailler l'équilibre des hanches et le renforcement du dos, des fesses et des ischios. Ce qui est intéressant là, c'est que on dit souvent que dans le renforcement, on veut toujours renforcer ce qu'on voit dans le miroir. Quand on se regarde dans le miroir, on veut des gros bras, on veut des gros pecs, on veut des gros abdos. Sauf que beaucoup de problèmes viennent de l'arrière. Quand on a des problèmes de dos, des fesses, des ischios, tout vient toujours par l'arrière. Donc avec cet exercice-là, très simple, je reste 30 secondes et vous allez sentir tout de suite, on travaille bien le renforcement du bas. Ensuite, ça c'était le deuxième exercice. Le troisième exercice, comme on a commencé à se lever, on va se lever un peu plus et en fait, on va se mettre en fait en fente à genoux. Donc fente à genoux, c'est avec un genou au sol et un pied dans cette position. Et donc moi, j'utilise en fait en termes de poids, j'en ai, et comme il y en a beaucoup qui n'ont pas, j'utilise des bouteilles d'eau. Donc là, j'en ai deux. L'avantage avec les bouteilles d'eau, comme vous pouvez le constater, elles sont pas remplies en fait, elles sont trois quarts remplies. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, le fait que l'eau bouge dans la bouteille, ça va me déséquilibrer et donc je vais travailler mes abdos. Donc, sur le mouvement de fente à genoux, je vais venir en fente à genoux. Et ce qui est intéressant en fente à genoux, c'est toujours dans cette optique d'équilibre de lever la jambe arrière, d'accord ? De pas mettre en la jambe au sol, vraiment de la lever pour être en déséquilibre et travailler les abdos. Donc là, en fente à genoux, je viens. Donc, vous voyez l'arrière de mon pied, il est décollé. Je tends mes bras devant. Et en fait, je vais un peu reculer comme ça, vous pouvez voir. Je vais faire des rotations. Donc, je viens à gauche, à droite. Et là, on va partir pareil. On peut partir sur 10 répétitions, toujours en ayant le pied à l'arrière qui est relevé et donc qui travaille sur l'équilibre du bassin tout en travaillant les dorsaux et en travaillant les obliques. Donc, on fait à une main. Si après, c'est un peu à deux mains, pardon. Si c'est un peu trop lourd, on peut le faire avec une bouteille. Donc, allez sur le côté. Et ce qui est intéressant avec cet exercice-là, c'est qu'on n'a pas besoin en fait de trop gros poids, de trop gros haltères, parce qu'en fait, des petites bouteilles qui sont même pas 2 litres, donc 2 kilos, nous déséquilibrent tout de suite, on travaille tout de suite le renforcement. Pareil, on peut partir sur 10 répétitions à gauche, à droite. Le dernier exercice, donc, si vous prenez la logique, on démarre au sol, ensuite à genoux, là, fente à genoux. Donc, le dernier exercice, je vais un peu relever la caméra, en fait, on va se mettre en fente debout, donc qui est assez utilisé dans le football. Donc en fente debout, donc pied l'un derrière l'autre. Et si on prend l'espacement, je vais me mettre de côté. L'espacement se fait lorsqu'on est genou au sol, le talon juste derrière le genou, et je garde cet espacement là. Donc fente debout. Et là, l'objectif, c'est plus de faire des mouvements gauche-droite, c'est par contre de faire un gauche-droite
mais en se dandinant à droite et à gauche pour travailler vraiment les obliques un peu plus haut. Et là, pareil, j'utilise une bouteille, deux bouteilles, comme je le sens, et je peux les mettre des deux côtés ou d'un côté, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler avec une bouteille sur un côté. Et là, je viens et je me dandine sur le côté. Et l'objectif, en fait, c'est pas de perdre l'équilibre. Là, je vous parle, j'essaye de me concentrer, mais vous voyez qu'on est tout de suite déséquilibré. Et plus on va vite, et plus c'est difficile. Là, on peut partir sur 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Voilà, et on essaye toujours de mettre de la vitesse et du renforcement. Avec ces quatre exercices-là, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez vraiment du renforcement doux, profond, et vous travaillez du renforcement autant devant, ce qu'on voit dans le miroir, que derrière. Et je peux vous assurer qu'avec ces exercices-là, vous pouvez en faire 2-3 fois dans la journée, que vous n'aurez jamais mal au dos, jamais mal aux abdos, jamais des douleurs au niveau des cervicales et ce genre de choses. Quatre exercices simples sur du renforcement doux que vous pouvez faire le matin. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez mettre des variantes. Là, je ne l'ai pas montré, mais vous voyez que beaucoup jouent sur l'équilibre et l'équilibre vient du bassin. On peut le faire les yeux fermés. On peut le faire en tournant des yeux. D'accord ? Donc, se mettre en fait en déséquilibre. Ou alors, une dernière chose que je vais vous montrer. Moi, à la maison, en fait, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de sportifs, de non-sportifs, vous les voyez sur des coussins. Pardon, des coussins, en fait, qui sont… Des ballons un peu d'air, comme ça. Ouais. Mais il y en a certains qui n'en ont pas chez eux, d'accord ? Et surtout, les non-sportifs, ils n'en ont pas. Et donc, en fait, vous pouvez créer un coussin de Proprio, comme ça. Et c'est un ami de formation, justement, un Nancy, qui est préparateur physique chez les féminines, qui m'a donné l'idée où il a pris deux bouteilles vides, il les a scotchées. Et en fait, on peut l'utiliser sur tous les exercices. Si je fais la fente à genoux, on peut mettre le genou au niveau des bouteilles, on lève le pied arrière, et là, on est tout de suite un peu plus déséquilibré parce que forcément, l'air qui est contenu dans les bouteilles nous fait un peu déséquilibré au niveau du genou. Donc voilà, c'était quatre petits exercices, en plus de la respiration qui est toujours super importante et à faire tout le temps, qui vous permet de travailler vraiment en profondeur sans être blessé ou se blesser. Parfait, merci beaucoup Jordan pour cette démo. Jackie, vous allez vous y coller dès ce soir, Si mes genoux et mes prothèses permettent de me mettre à genoux par terre, ce qui n'est pas forcément facile pour moi. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que c'est important dans cette période de confinement de faire un petit peu d'exercice. Non, c'est intéressant, j'ai pris des notes pour essayer de faire ça à mes garçons. Bah, justement, Jackie, pour vous, ce qu'on peut faire, vu que les genoux sont un peu forcément usés, vous pouvez faire des exercices. En fait, je vais vous montrer juste un peu vite fait. Vous pouvez faire des exercices assis avec les pieds vraiment tendus. Donc, si je prends l'exercice sur le côté, vous pouvez faire ce genre de choses. Et avec l'exercice où je faisais une fente à genoux, où je me dandinais, où j'allais en rotation, en fait, on peut faire la même chose. On peut le faire assis. Toujours le dos droit. Oui. Ok, parfait. Même avec un coussin. Vous pouvez prendre mon coussin de Proprio, le mettre sous les fesses. Là, on travaille. Et le bassin qui se stabilise et on peut faire des mouvements de rotation. Ok. Parfait. Merci beaucoup, Jordan. Sébastien. Merci. Il y en a où la respiration, le nombril, il fait plus de chemin que chez d'autres, tu vois. Donc, c'est là, c'est plus long. Les lombaires ont plus de mal à contacter. Ouais. Non, mais ce qui est très juste, et c'est très important parce qu'on a un peu échangé avec Jordan, et moi, par exemple, depuis quelques mois, c'est vrai que j'ai pris du poids et j'ai pas honte de le dire. Et en fait, il y a un moment donné, il faut que tu commences par quelque chose. Et c'est le plus frustrant dans les efforts, c'est souvent qu'il y a des personnes qui ne voient pas de résultats rapidement. Et alors, tu as l'impression que tu es un peu démotivé. Et c'est vrai que ce genre de choses au niveau du bassin, au niveau du ventre, c'est là où tu as les résultats les plus rapides et puis ça te motive à poursuivre. Et c'est vrai. Et pour revenir là-dessus aussi, Joe, c'est que il y a beaucoup de personnes, quand elles veulent se mettre au sport, au début, les premières séances et tout, elles se donnent à fond à 10 000 % et tout ça. Et quand les premières fatigues, les courbatures, bizarrement, les premières douleurs interviennent, c'est là où la motivation, elle baisse. Bien sûr. L'avantage avec ces exercices-là, c'est que si en complément, on fait ça, je vais pas dire que c'est un programme qui va nous permettre d'être bodybuildé, mais c'est un programme qui va permettre justement de continuer à faire du sport, mais sans avoir des douleurs, sans être démotivé. Et puis, c'est des choses un peu ludiques qu'on a rarement l'occasion de voir. Ouais, c'est vrai. Après, je voulais juste revenir dans cette période de confinement. Il faut effectivement faire des choses pour ne pas s'encrouter ou machin, etc. Mais moi, j'en vois plein dehors qui font des footings et tu vois que ce ne sont pas des sportifs. Ouais, qui n'ont pas... Ouais, donc, c'est... le message aussi à faire passer, et tu l'as très bien passé,
c'est ne vous blessez pas, les hôpitaux ont d'autres choses à faire que les gens qui se blessent bêtement, quoi. C'est tout. Ouais, mais ceux-là, j'en vois passer devant chez moi aussi, ils vont pas très vite, ceux qui n'ont pas d'habitude quand même. Je pense pas qu'ils vont se blesser gravement. Et quand ils voient la police, ils accélèrent. Oui, mais on n'a pas besoin de se blesser gravement pour aller à l'hôpital, une petite entorse ou quelque chose comme ça suffit. Et je pense qu'il y a autre chose. Ouais, c'est vrai. Momo, toi, je sais que tu t'entretiens beaucoup aussi, hein. Peut-être un peu moins en ce moment. C'est un peu compliqué en ce moment, mais c'est vrai que ce que disait Jordan, il a tout à fait raison. Hein. Moi, je suis un coureur, c'est vrai que souvent j'ai des problèmes de dos. Et le dos, souvent, vient des problèmes de gainage, notamment. On n'est pas assez gainé, donc forcément, on travaille plus dans le dos, donc le dos morfle. Et quand on a un gabarit un peu imposant comme le mien, avec pas loin de 100 kilos et qu'on fait des marathons, et ben je le sens très vite, c'est vrai. Donc je pense que Jordan, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Et ça permet aux gens qui ont un petit appartement ou pas beaucoup d'espace de pouvoir travailler aussi. C'est aussi important cette période. Très bien. Merci tout le monde. C'est parfait. Merci beaucoup, Momo, d'avoir été avec nous. Merci, Jonathan. Merci à tous. Merci, Jackie. Merci, Jordan. Bonne soirée à tout le monde. Et merci. Et merci, Jordan. Merci du fond du cœur. On se retrouve la semaine prochaine, Morgane, de nous, Jordan, pour un… Ouais, bien sûr. Si vous voulez, je peux faire un hebdomadaire. Et vous montrer plein de variantes. Il n'y a pas de souci. Très bien. On vous rappelle le programme quand même de la semaine. Accessoirement, demain, Morgan Schneiderlin sera l'invité dès 18h30. Jeudi, c'est Stéphane Bauken. Vendredi, on aura le duo David Lady, Milovan Sikimic, que tu as connu, Jordan, hein, tous les deux, tes adversaires. Semaine prochaine, Jonas Martin lundi, Stéphane Kassar mardi, Karim Agui mercredi. Jeudi, j'ai oublié. Vendredi, on a Jérémy Blayak. Blayak, c'est vendredi. Et jeudi, je sais que je me suis noté Felipe Sade, jeudi prochain. Voilà. Que des joueurs que j'ai eus finalement aussi. Hein. C'est vrai, sauf Jonas Martin. J'aurais bien aimé avoir. C'est vrai. Et puis la semaine d'après, il y aura encore d'autres surprises. Il y aura encore beaucoup de bon monde côté Racing Club de Strasbourg, ancien joueur, footballeur amateur. Merci Jordan. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Merci à vous de l'invitation. Et puis c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous écouter. On s'écrit, on se tient au courant. Merci Sébastien Jung. Merci à toi Joe hein, et à Max et tous ceux qui ont un peu créé ça parce que même si c'est que par virtuel, voir des joueurs comme Zitelli ou la semaine dernière Siki et tout ça, même à 39 ans, on peut avoir des étoiles dans les yeux. Déjà, travailler avec Jackie depuis le début, c'est déjà top. Mais maintenant, avec ce confinement, merci à vous et merci à ceux qui nous suivent. Merci Momo. Merci à tous. On se tient en courant pour les dispos, comme d'habitude. Merci beaucoup, Jackie. Merci à vous. Bonne soirée. Et puis, moi, ça me fait revivre des choses ou rechercher un peu dans les archives avec des garçons comme ça, que des bons moments. Et finalement, je me dis, parce qu'on oublie un peu tout ça. Et pourtant, c'était vrai. Voilà. Merci à tous, en tous les cas. Merci Flo d'avoir été à la réalisation. On t'embrasse. Bonne soirée à toutes et tous et rendez-vous demain soir à 18h30. Bonne soirée dans le club 1906, le club des confinés. Ciao, à demain.